Vous êtes Sirguel Afrique Télévision, c'est un plaisir de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs. Nous vous accompagnons une fois de plus. Et là, c'est l'actualité qui nous intéresse, la situation sécuritaire dans l'est du pays, vous le savez. La trêve humanitaire décrétée il y a de cela des semaines vient d'être prorogée. Par qui? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Pourquoi proroger cette trêve? À qui profite cette prorogation? Est-ce à la République démocratique du Congo? Parce que nous savons dans quelles conditions cette trêve avait été décrétée. Nous savons aussi aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé pendant la dite trêve humanitaire. Parce que sur le plan humanitaire, on n'a rien vu. Alors, je ne vais pas aussi faire un point de vue par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui peut aussi en parler comme il faut. Il a des arguments nécessaires pour les faire. Lui, c'est Aspirine, comme on l'appelle. Voilà, je vous reçois. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, Aspirine, Espoir Mimouka. Voilà, c'est toujours vous. Oui, c'est bien nous. Et puis, comment vous allez? Non, ça va très bien. Vous êtes aussi en pleine trêve humanitaire? Non, nous ne sommes pas concernés par cette trêve humanitaire. Comme vous le savez, normalement, on ne devrait même pas appeler ça trêve humanitaire, puisque cette trêve avait des objectifs. Et parmi les objectifs de la maudite et dite trêve, c'était pour faciliter à Kagame d'organiser ses élections, mais aussi faciliter l'armée rwandaise à s'installer comme il fallait sur les sols congolais. C'est pourquoi nous, nous disons, moi personnellement, Aspirine, et tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale internationale, nous ne sommes pas concernés par cette trêve, messieurs les journalistes. Nous ne sommes pas concernés, comment? Parce que vous dites, ça a permis à Kagame, c'était pour permettre à Kagame de bien organiser ses élections, donc c'est focalisé aux élections chez lui. Mais si on peut se rappeler un tout petit peu, lors des élections en République démocratique du Congo, il y avait un cessez-le-feu, respecté aussi, rappelez-vous. Donc aujourd'hui, Kagame aurait aussi demandé presque la même chose et voilà, il a obtenu. Non, c'est tellement différent, monsieur le journaliste. En quoi c'est différent? Dans le sens où la trêve a été négocié par les États-Unis et vous le savez bien que les États-Unis, ce sont les plus meilleurs financiers partenaires de l'armée rwandaise. C'est eux qui forment cette armée, c'est eux qui fournissent des munitions à l'armée rwandaise, c'est eux qui les fournissent tout ce qu'ils utilisent dans la guerre. Depuis 30 ans, les États-Unis, donc l'OTAN en général, c'est les partenaires fiables du Rwanda, voyez-vous. Or, chez nous, lorsque nous étions dans la campagne, c'était un cessez-le-feu qui n'était pas une trêve. Et le cessez-le-feu n'était pas demandé par la RDC. Le cessez-le-feu était demandé par l'armée rwandaise, l'RDF, sous le label de zone 23, qui avait trompé à la vigilance de tout le monde, avec la bénédiction de l'OTAN, qui sont leurs parents, leurs parents plutôt, qui avaient dit non, nous voulons nous retirer et laissez-nous le temps de nous retirer. C'est comme ça que la RDC avait accepté le cessez-le-feu. Mais comment vous dites, c'est les États-Unis qui financent l'armée rwandaise, appuient le Rwanda financièrement, militairement, pour que le Rwanda justement fasse toutes ces aventures aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais pourquoi la République démocratique du Congo a accepté la trêve proposée par les États-Unis, ces États-Unis qui sont derrière l'ennemi? Donc les États-Unis ont déjà une partie prise dans tout ça. Pourquoi on a accepté une proposition venant de ces États-Unis qui appuient l'ennemi? En fait, vous devez savoir, en matière de guerre, il y a aussi le poids diplomatique. Et nous, comme vous le savez, nous sommes pacifistes. Les Congolais, nous sommes un peuple hospitalier. Et lorsque quelqu'un vient auprès de vous pour vous proposer ce que lui pense que c'est une piste de solution aux crises dont vous êtes victime, qu'est-ce que vous devriez faire? La République a accepté, donc nos autorités, et ils ont accepté, puisqu'ils pensaient normalement qu'avec cette trêve, les Rwandais vont se retirer sur les sols congolais, voyez-vous. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que la trêve... Est-ce que réellement c'était ça? Exactement. Une trêve pour que les militaires rwandais quittent les pays, mais ça avait des visées beaucoup plus humanitaires. Oui, en fait, vous avez suivi les porte-parole du gouvernement. Oui. Le ministre Patrick Muyaya, que nous saluons son courage, que nous saluons pas ça, il avait dit que ce n'est pas seulement humanitaire, mais l'armée rwandaise doit quitter les sols congolais. Et c'est ce qu'on avait dit à nos autorités. Mais nous, nous étions sceptiques à ça. Nous, on s'était opposés, puisque nous connaissons quand même les modes opératoires de l'armée rwandaise. Pendant plus de 30 ans, nous vivons dans cette
histoire, nous avions fini par comprendre les personnes en face de nous, voyez-vous. Oui. Malheureusement, certaines autorités, et jusque-là, ils n'ont pas encore compris quel est le comportement de ces agresseurs rwandais. Et puis, on peut comprendre, puisque la plupart de nos ministres vivaient à l'étranger, d'autres à Kinshasa, et d'autres ne se souciaient même pas de la République à l'époque. Voyez-vous. C'est le cas toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense... Cette insouciance des ministres, des autorités. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une modification de la pensée. Qu'est-ce qu'il éprouve ? Parce que je vois quand même, il y a... Donc, nous sommes sortis d'un point 0 à 1. Donc, ce n'est pas comme c'était avant. Mais non, mais s'il vous plaît, sur le terrain, nous voyons autre chose. Parce que la situation est en train de s'aggraver sur le terrain, contrairement aux époques que vous venez, bien sûr... auquel vous venez de faire allusion. En fait, il y a le sérieux problème est que il y a certaines autorités, bien sûr, qui n'ont pas encore pris conscience. Et je n'ai jamais refusé ça. Mais il y a d'autres qui ont pris quand même conscience. Il y a les autorités que nous suivons, quand vous les entendez, quand vous voyez les agissements, vous allez comprendre qu'ils ont pris conscience. Et il y a d'autres, jusque-là, ce sont des démons enfermés dans leurs ailes qui n'ont pas encore pris conscience. Pourquoi ne pas le mettre de côté ? Mais qui volent. Qui détruisent la République. Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, dire qu'il y a quand même ce que nous disons, ce que nous voyons sur le terrain, il y a une différence, c'est très vrai. Je ne comprends pas comment Kinshasa peut décider de nous envoyer seulement des personnes qui ne savent rien. Je parle ici du général Falsi Kabwe, qui est le commandant des opérations. J'assume mes mots. Il ne sait rien comment. J'ai dit, il ne sait absolument rien. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a été nommé général. Je ne sais pas par quelle magie qu'il a été nommé général. Imaginez dans une ville, qui est une ville de repris, qui est une ville... c'est l'unique moyen qui reste pour la ville, pour la province de Nord Kivu, où les autorités peuvent se replier, mais aussi les militaires après, parce qu'il faut qu'il y a relève chaque jour. Tout à fait. On relève les militaires. C'est ici que les militaires doivent être. Une ville tellement importante, comment l'insécurité peut y être ? Tout simplement puisque les militaires, aujourd'hui, ils ne sont plus bien contrôlés. Et là, donc, vous voyez, donc, je ne sais pas si on peut les appeler les dérapages. Tout ça, vous le mettez à la seule responsabilité. Exactement, c'est lui. Général que vous venez de citer. Mais nous sommes dans une province, rappelez-vous, eh bien, c'est une province qui est surmilitarisée. Nous sommes dans un régime exceptionnel. L'état des sièges. Il y a l'hiérarchie, monsieur le journaliste. Mais oui. Ça, vous devez comprendre. Nous sommes dans l'état des sièges, s'il vous plaît. Ce sont les militaires qui sont aux affaires aujourd'hui. Exactement. Oui. En fait, vous savez, la chose que nous ne savons pas, et la chose que nous avons, nous, les citoyens congolais, oui, c'est puisque nous ne regardons quelle hiérarchie, voyez-vous donc. Lorsqu'on parle de l'état de siège, on fait directement allusion au gouverneur militaire. Or, normalement, les gouverneurs militaires, son Excellence Peter Chirimwami, il ne gère plus les opérations. Il y a un commandant des opérations. Il a été dépossédé de certains pouvoirs. Quand vous parlez des opérations, parce que vous avez parlé de l'insécurité. Exactement. C'est par rapport à ça, l'insécurité urbaine. Exactement. Voilà. Alors, lorsque... Je vais d'abord revenir sur ce que vous venez de dire. Oui. La ville est surmilitarisée. Nous sommes sous état de siège, bien sûr. C'est surmilitarisé. Mais il y a l'hiérarchie, monsieur le journaliste. Et si on peut partir de la séparation de pouvoir, tout le monde a sa part à faire. Nous devons, vous pouvez avoir raison sur un point, puisque la sécurité, c'est l'affaire de nous tous. Tous nous devons contribuer. Mais nous devons comprendre qu'il y a quelqu'un qui est chargé de ça. Pourquoi je dis les commandants des opérations ? Les opérations, ce n'est pas en pleine ville. Attendez, monsieur le journaliste. Les opérations, ce n'est pas en pleine ville. C'est Goma, sur les lignes de front. La ville de Goma a un statut autre que d'autres villes. C'est ce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, les gouverneurs que nous voyons ici, Peter Chirimwami, il ne peut pas prendre telle ou telle autre décision sans voir les commandants des opérations. Et lorsqu'on parle... Et c'est le cas dans tous les secteurs. Et lorsqu'on parle... Non, je parle sur le plan militaire. Et lorsqu'on parle de la gestion des militaires, normalement, c'est lui qui déploie les militaires, c'est lui qui contrôle les militaires, s'appelle les commandants des opérations. Goma, c'est une ville opérationnelle. Donc, c'est ce que les gens ne savent pas, monsieur les journalistes. Monsieur Espoir, Goma, s'il vous plaît. Attendez. Donc, vous êtes en train de nous dire ici que même l'insécurité aujourd'hui grandissante en ville de Goma est
la responsabilité de ceux-là qui sont censés mener les opérations. Est-ce que là aussi on peut parler des opérations? S'il vous plaît. Attendez. Les opérations, ce n'est pas seulement sur les différentes lignes de front. Attendez, monsieur le journaliste. Oui. Comme vous le savez, Goma est entourée actuellement par les positions militaires. Oui. Et même au sein de la ville, en pleine ville, il y a des positions militaires. Passé au niveau du Signers, il y a des militaires. Passé au niveau de l'entrée au président, il y a des militaires. Passé au niveau ici. À Mugunga, là, c'est toute une ligne. Là, n'en parlons plus. Ouais. Oui. Qui déploie ces militaires? C'est les commandants des opérations, messieurs les journalistes. Alors, qui insécurise Goma? On ne sait pas qui insécurise Goma. Donc, il y a une responsabilité. Donc, le gouverneur, n'a rien à voir dans tout ça. Pourquoi je parle du gouverneur? Vous le savez très bien, les représentants du président de la République ici en province. En fait, si on peut partir de la loi... C'est lui le citoyen numéro un de la province, en fait, si on peut le dire ainsi. Nous devons comprendre, comme je l'ai dit, Goma a un statut autre que d'autres villes. Et il y a l'administration militaire de Goma, quelquefois. Ça nous laisse sa mort, monsieur le journaliste. Mais nous, ce qu'on peut demander, juste à Kinshasa, on demande d'abord qu'on enlève à Goma les commandants des opérations, qu'on les change par une autre personne, puisqu'à Kinshasa, il y a des généraux compétents. Il y a le général Itchali Gonza, que nous savons ses capacités de faire. Il y a le général Marcel Mbangou-Machita, que nous connaissons tous sa capacité de faire. Lorsqu'ils étaient ici, il y a... Non, on ne peut pas. Lorsque tous ces généraux étaient ici, on ne peut pas comparer. Je crois que parmi ceux-là qui ont à maintes reprises critiqué leur force de faire, demandant même les remplacements. Quand c'est fait, aujourd'hui, vous demandez les retours. On ne peut pas comparer la gestion des opérations de M. Marcel Mbangou-Machita à celle de M. Fall Sikabwe. Il y a une différence. À l'époque, les militaires étaient disciplinés. À l'époque, on ne voyait pas ce que nous voyons ici. Vous vous rappellerez avec moi, lorsque ici, il y avait trois personnes, normalement, qui avaient tellement bossé. Il y avait le général ici qui était à la 34e région, Brinon Pezo. Il y avait Marcel Mbangou-Machita aux opérations. Ils avaient quand même fait quelque chose. Il y avait aussi... c'était avant lui. Il y avait aussi le général ici de la police à Bavan Hang. Ouais. Vous avez vu quand même comment est-ce que la ville était. Aujourd'hui, nous sommes... c'est presque dans les chaos, monsieur le journaliste. Alors ça, c'est pourquoi nous disons à Kinshasa quand même, on ne doit pas seulement nous envoyer des personnes qui ne savent rien. On ne peut pas nous envoyer des personnes qui ne se soucient pas. Vous savez-vous qu'il y a une contradiction? Mais là, on peut établir les responsabilités. J'assume mes mots, monsieur le journaliste. Rétablissons les responsabilités. Parce que quand vous demandez à Kinshasa, il faut dire à qui précisément? Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a tous ces militaires, mais on a un commandant suprême. Ne pensez-vous pas que son autorité, son pouvoir doit se manifester dans tout ce qui est fait aujourd'hui? En fait, je le dis toujours, les changements de la République ne peuvent pas provenir d'une seule personne. Exactement, qu'il y a un commandant suprême, il y a un guide, qui est son Excellence, Monsieur le Chef de l'État. Oui. Mais quand même, nous devons aussi comprendre dans nos agissements que nous avons une responsabilité. Et ma responsabilité, moi, étant citoyen, c'est de dénoncer. Le chef de l'État a des conseillers. Il n'est pas un dieu pour être partout. Il n'est pas omniprésent. Donc, il n'est pas un dieu pour être partout. Mais il y a les conseillers quand même qui doivent comprendre que c'est le Congo d'abord, c'est le Congo ou rien. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, lorsque la maison militaire, il y a de ces généraux qui ne répondent qu'à la maison militaire du chef de l'État. Il y a de ces généraux qui ne répondent qu'à la présidence. Il y a de ces généraux qui ne répondent directement, si on peut dire, à la haute hiérarchie militaire. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons les dire. Mais au commandement. L'état-major. Il y a de ces généraux qui ne répondent qu'aux politiciens. Excusez. Oh, des généraux qui ne répondent qu'aux politiciens. Mon cher, je vous dis... C'est le cas jusque-là, oui. Je vous dis que c'est... Même sous Félix Tshisekedi, parce que vous parliez des époques. J'ai pensé que c'est aux époques précédentes, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, nous avons une armée ici de l'intégration. Nous avons une armée ici, non seulement de l'intégration, des négociations politiques. Nous avons une armée ici
des dialogues, voyez-vous. Mm-hmm. C'est ça l'armée que Kabila nous avait laissée. Et comme vous le savez, si aujourd'hui, par exemple, moi, Aspirine, comme les hommes, c'est mon autorité morale, il y a quelqu'un qui me nomme, par exemple. Je vais répondre aux ordres de qui ? De celui qui m'a nommé, non ? Mm-hmm. Alors, donc, nous avions des généraux, jusque-là, et certains colonels, jusque-là, ils n'ont pas encore compris que notre héritage commun s'appelle le Congo. Nous avons certains généraux, jusque-là, qui répondent aux ordres de Kigali. Nous avons, ça je l'ai dit, nous avons des généraux qui ne répondent, ils répondent aux ordres qui leur avaient été donné par des individus que de répondre à leur devoir régalien, voyez-vous. Imaginez, nous sommes dans la guerre, mais un militaire qui accepte de détourner même la prime de militaire, pensez-vous que c'est un citoyen congolais? C'est... Aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail. Vous savez, tous les militaires, aujourd'hui, ça ne passe plus inaperçu. Moi, je crois... Il y a des militaires, bien sûr. Oui. Nous avions vu certaines personnes être condamnées à mort. Oui. Mais en quoi ces condamnations pèsent? Puisque ces condamnations à mort devraient peser si normalement... Mais ce sont des peines capitales. Si normalement, non, nous avions vu beaucoup être condamnés à la peine capitale et puis les voir être encore relâchés. Donc, je crois que Constant Mutamba va donner quand même tout son mien pour redorer encore l'image de la justice congolaise. Je sais, le changement au sein de la justice, ou bien notre manière d'appliquer la loi... sera modifié puisque c'est parmi les vœux de son excellence monsieur le chef de l'État. Et la justice élève une nation et il a nommé un jeune aujourd'hui quand même qui fait la fierté de la jeunesse, ça on peut le dire. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour être, non, au-delà de l'optimisme, pour croire en lui tout d'un coup comme ça? Moi je crois puisque il n'est qu'au début. Exactement, il est au début, mais quand même lorsque vous introduisez très bien votre sujet, vous pouvez aussi conclure très bien. Et nous avions vu ses prémices, quand même, ça laisse foi, ça donne foi à croire en lui. Il est un peu différent d'autres ministres. Et puis, ce qui me pousse aussi à croire, c'est sa détermination. Et il s'est assigné quand même quelques principes, il s'est assigné quand même quelques valeurs qu'il faut améliorer. Et cela nous laisse quand même à croire à lui. Alors, on peut revenir, parce que c'est vrai, c'est aussi très important, on parlait de la trêve. Et vous venez de nous dire ici que c'était pour permettre à Kagame de bien organiser ses élections. Alors, aujourd'hui, comme elle est prorogée, est-ce qu'on peut respecter cette dernière? Ou soit laisser toujours les Ouazalens agir comme ils sont en train de les faire, même l'armée, bon, elle est aussi observée. En fait, je le dis toujours, c'est là, tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale, internationale, ne sont pas concernés par cette trêve. La dite trêve, on l'a appelée trêve humanitaire, mais si vous regardez très bien, vous avez un jour dans les cas de déplacés, voir ce que vivent nos compatriotes. Ils n'ont jamais bénéficié de la dite trêve humanitaire, voyez-vous. Donc, c'était simplement le nom, c'était un slogan qu'ils ont dit pour nous berner. Et c'est pourquoi tous les compatriotes, tous les vrais Congolais, ils n'acceptent pas cette histoire. Nous l'entendons chanter dans nos oreilles, mais nous, ça ne nous concerne pas. Mais après les élections au Rwanda, on proroge. Ils ont fait ça. Oui, pourquoi? C'est pour permettre à Kigali de déployer encore ses militaires. Moi, je ne peux qu'appeler à la vigilance populaire. Je ne peux qu'appeler qu'à la vigilance de tous citoyens congolais. J'appelle nos militaires, j'interpelle la conscience de monsieur le chef d'état-major, le pasteur Christian Tshiwewe. Vous devez voir normalement avec les bons yeux, vous devez comprendre quel est le plan de cette trêve, que vise la maudite trêve. Hier, j'étais dans les cas des déplacés, j'ai vu comment est-ce que nos compatriotes souffrent. Voyez-vous, Horizon, ils ont appelé ça trêve humanitaire. Quelle trêve humanitaire sans humanisme, monsieur le journaliste? Donc, aucune assistance jusque-là. Les peu que j'avais avec certains amis, nous l'avions donné à nos compatriotes. On ne peut pas satisfaire. Bon, c'est ça aussi la solidarité. Mais si tous les Congolais faisaient la même chose, moi je pense qu'on ne pourra même pas trop penser à toutes ces organisations internationales censées, bien sûr, apporter toutes les différentes aides tenant compte de leur financement. En fait, ces gens, ils ne nous aident pas. C'est pourquoi nous nous disons quand même. Oui. D'un moment à l'autre, nous allons déclencher une marche
manifestation de grande envergure pour demander que ces ONG quittent notre territoire. Parce qu'ils sont là, ils négocient des millions et des milliards à la souffrance de la population congolaise là, et que les Congolais n'en bénéficient absolument rien. On va dire que vous êtes en train de jouer le jeu de l'ennemi. Bon, nous sommes habitués au terme, que les gens le disent, on s'en fout. Nous faisons partie des premières cibles de l'ennemi. L'ennemi, il nous avertit, il nous dit d'ailleurs que même si nous quittions Goma, il y a nos familles qui sont sur le terrain. Moi-même, ils ont même tagué même ma mère, qui décapiteront ma mère, mais on s'en fout. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous menacer comme ils veulent, mais nous, c'est le Congo ou rien. Lorsque nous allons faire partir ces ONG, vous allez voir qu'il y aura quand même la calme. Vous savez la politique de ces gens. Ils négocient l'argent à leurs partenaires, ils leur disent, les gens souffrent au Congo, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de tente, ils n'ont pas quoi. Et lorsque les contribuables américains, français, ils vont mobiliser leurs fonds, la même somme mobilisée, une partie va rester en Europe, en Occident, en Asie, et nous, on souffre ici. Or, ils ont négocié cet argent à notre souffrance. Ouais. Alors, nos autorités, nous devrions mettre en place une politique visant à contrôler tous les dons ou bien les fonds qui seront mobilisés pour nos compatriotes. Alors, on va revenir sur un autre point. Finissez d'abord. Je profite de votre caméra pour quand même demander à la population congolaise d'être debout. Le 2 août, c'est une date inoubliable pour la population congolaise. Et nous demandons à l'État quand même de reconnaître ça comme une journée sommet et payé, qu'on puisse décréter ça parmi quand même nos journées sommet et payé. Le 2 août, qui est une date où nous commémorons nos compatriotes victimes de la barbarie rwandaise. Vous parlez bien sûr de la barbarie rwandaise. Les experts des Nations Unies parlent aussi de l'Ouganda. Oui. C'est Kinshasa balbutie un tout petit peu, ne reconnaît pas d'une manière aussi officielle l'implication de l'Ouganda. Qu'en pensez-vous de cette position de Kinshasa? Je crois que ce sont des manœuvres diplomatiques. Et Kinshasa reconnaît ça en fait. Kinshasa reconnaît ça, mais il faut le dire clairement pour ne pas laisser les gens dans cette confusion aujourd'hui. Chaque chose a son temps, monsieur les journalistes. Nous venons. Donc on attend, les experts viennent les dire. Avant Qui peut oublier ce que l'Ouganda et les Rwandais avaient commis à Kisangani? Qui peut oublier Makobola? Qui peut oublier. Tingi. Voilà, personne ne peut oublier ça. Donc Kinshasa connaît, mais Kinshasa a toujours eu ses manœuvres diplomatiques. Chose que nous sommes en train de pousser, si nos autorités peuvent changer, quoique ce n'est pas facile, mais quand même, c'est pourquoi moi je le dis toujours. Êtes-vous d'accord avec ces manœuvres diplomatiques? Je n'ai jamais été d'accord avec leur façon d'agir. Voilà. Mais nous devons comprendre, au-delà de ce qui nous divise, il y a quand même notre bien commun qui est le Congo. Et c'est pourquoi nous devons tous nous interorienter. Lorsque, souvent nous parlons avec certains politiciens, lorsqu'ils commettent des erreurs, même Mounyomo, je parle aussi avec lui, lorsqu'ils commettent des erreurs, nous devons les dire. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça et ça et ça, voyez-vous? Donc nous devons répondre à nos devoirs comme citoyens, mais aussi les autorités doivent comprendre qu'il y a une tâche tellement lourde auxquelles elles doivent répondre. Donc la situation de l'Ouganda, c'est une situation bien prise en compte par les autorités et par la population. Non, s'il vous plaît. Êtes-vous aujourd'hui convaincu que les autorités prennent au sérieux, prennent en compte cette situation de l'Ouganda? Parce que des fois, nous écoutons ces autorités les dire avec beaucoup de légèreté dans leur langage. Oui, je ne fais pas partie de leur cabinet. Je ne suis pas leur conseiller. Nous les suivons, nous les écoutons. Exactement. Je crois, dans votre fort intérieur, vous savez qu'il y a une légèreté. Exactement. Dans la façon de le dire. Exactement. Il y a une légèreté. C'est pourquoi nous les poussons à reconnaître l'Ouganda. Alors, vous devez, comme je l'ai dit, il y a certaines personnes aujourd'hui promis en RDC avec la bénédiction de l'Ouganda, la bénédiction du Rwanda. Donc, nous avons des ennemis internes qui sont au Congo, qui sont au pouvoir, qui sont dans des cabinets, qui sont dans des bureaux, mais qui répondent aux ordres d'ailleurs. Il y a ceux-là qui répondent aux ordres des Français, des Américains et les autres. Ouais, donc, c'est pas chose facile d'échanger quelque chose qui a été implanté pendant plus de 30 ans. Oui. Mais je crois, moi personnellement, vous êtes optimiste. Ouais, je crois que les Congolais, nous allons finir par prendre notre destin à main. Litons, combattons, battons-nous. Alors, on va terminer par cette question. Vous êtes toujours un activiste des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en
dans le, nous sommes en juillet 2024. J'ai sens dans vous cet optimisme. Alors, si nous arrivons fin 2024 et que rien n'est fait, et malheureusement, sans pour autant les souhaiter, l'ennemi garde toutes ses positions, peut-être prendre d'autres. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant qu'activiste? Allez-vous encore une fois faire des descendants des riz pour mettre pression au pouvoir de Kinshasa, ou soit vous allez faire autre chose? À vous de nous le dire. Moi, je pense, je ne suis pas prophète. Oui. Mais je ne peux que prédire une malédiction pour les terroristes rwandais, ougandais, somaliens, sud-soudanais. Je suis sûr et certain que nous sommes dans la dernière guerre de la RDC. Mm-hmm. Vous savez, la RDC a manqué maintes fois l'opportunité d'entrer dans l'histoire du monde. Mais je crois que cette fois-ci, nous sommes sur un bon chemin où nous, si. Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui? Ce qui me rassure, c'est ce que nous avons, les indicatifs. Ce que nous n'avons jamais vécu. Vous savez, oui. Après que Moïse Laurent Désiré Kabila ait été assassiné par les Rwandais, nous n'avons jamais vu les Congolais se soulever contre la guerre comme nous le vivons aujourd'hui. Donc il y avait un soulèvement lorsque Moïse était au pouvoir. Après Moïse, ça ne s'est plus vécu. Mais actuellement, je vois quand même les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, ils se soulèvent contre cette agression. Et je suis sûr et certain que si ça dépassait nos idées, je suis sûr et certain que ces jeunes que vous voyez dans les rues de Goma, ces jeunes que vous voyez à Kinshasa, ces jeunes que vous voyez partout dans notre diaspora, ces jeunes vont prendre les armes pour défendre leur pays. Je crois à ça. Il faut prendre des armes. C'est pourquoi j'appelle toujours Kinshasa d'élargir le programme du service national. Puisque oui. Le service national, d'ailleurs, celui qui gère ce service, c'est un démon. Puisque le service. Oh, oui, je, comment ça? Je l'ai dit, puisque. S'il vous plaît, il y a des résultats. Je l'ai dit, puisque. Ça prend encore une fois forme, même l'ampleur. Ce n'est plus comme. Vous savez. Cas où, y a, si on peut revenir en arrière. 6 ou 5 ans avant, ce n'était pas le cas. L'idée de la création du service national par les héros Moïse Laurent Désiré Kabila n'était pas seulement de prendre les Kuluna. Non, c'était après l'université, vous devez passer. C'est l'école nationale. C'est l'unique endroit où on doit apprendre du patriotisme, monsieur le journaliste. Mais les gens, ils gèrent ça avec légèreté. Le service national devrait être implanté dans toutes les provinces. Toutes les provinces. Ces jeunes universitaires, normalement, on devrait. Nous sommes en guerre. Nous devrions sécher même les universités pour apprendre le patriotisme, pour apprendre c'est quoi le Congo. Nous, même nos ministres, comme là, il y a un vieux. Vous vous confirmez que nous sommes en guerre? Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Exact. Ne pensez-vous pas que nous sommes tapés, mais des fois, on ne réagit pas? Je crois qu'il a dit ce qui est juste. Oui. Je ne vois pas pourquoi on l'a voulu, même le problème, puisque. Imaginez, lorsque vous jouez la défensive, celui qui joue à l'offensive, il a toujours eu un pas d'avance contre vous. Alors, c'est pourquoi je pense que ce qu'il a dit, ça a interpellé les autorités. Il y a une réunion, il y a une haute réunion d'ailleurs des officiers, présidée par le chef de l'État lui-même. Voyez-vous donc. Mais pourquoi toutes ces tractations judiciaires autour de la personne en question? C'est normal. Je vous dis que le chef de l'État n'est pas omniprésent, il n'est pas Dieu pour être partout à la même minute. Il y a des personnes qui cherchent. Le commandant suprême. Il y a les personnes qui cherchent. Magistrat suprême. Il y a les personnes. Premier citoyen de la exactement. République. Exactement. Il y a des personnes qui cherchent à plaire l'autorité. Et en voulant plaire l'autorité, ils commettent des gaffes d'ici et là. J'ai suivi heureusement mon jeune frère, son Excellence Constant Moutamba. Je l'ai suivi. Il a dit qu'il n'y a jamais une procédure judiciaire contre notre ambassadeur. Ce n'est pas une façon de se rébiffer. La musique. Bon, pour notre justice. Moi, je pense, comme je l'ai dit, il y a de ces gens qui cherchent à plaire. Et en voulant plaire, ils pensent qu'il faut faire ça pour être aimé par l'autorité. Voyez-vous. Oui. Chose qui, donc, il y a certains fondamentaux, certains fondamentales dont nous n'avons pas encore mis dans nos têtes. Donc, je n'écarte personne. Il y a certaines personnes là qui n'ont pas encore compris. C'est quoi la nation? C'est pourquoi le service national serait une réponse de tout ce que nous vivons actuellement. Très bien. Alors, Monsieur Aspirine, nous sommes donc à la fin de cette émission. Je ne peux que vous dire merci. D'abord, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord
vos derniers mots pour cette émission, parce que c'est vrai, nous sommes revenus sur beaucoup des points. Alors, est-ce que nous espérons, comme vous l'avez dit, mais dans tout ça, il y a des tractations ça et là, sans oublier, parce que vous le savez aussi, nous venons de voir, ça se confirme petit à petit, cette victoire écrasante une fois de plus du président rwandais, ça fait toujours parler. Je ne sais pas, avec Sakagame une fois de plus au pouvoir, il peut briguer de mandat comme il veut jusqu'en 2034. Donc on peut dire la menace, elle est toujours là, bien que vous êtes optimiste pour la suite. En fait, la victoire de M. Kagame, on ne peut pas appeler ça victoire. Non, c'est une concussion, monsieur le journaliste. Il avait des challengers. En fait, attends, quel challenger? Toi, tu prends quelques petits aventuriers, tu l'appelles challenger? Je salue quand même le courage de ces deux jeunes qui ont accepté d'affronter ces monstres. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Mais nous devons comprendre. Au Rwanda, ils ne sont pas en démocratie. Au Rwanda, il n'y a jamais des élections, monsieur le journaliste. Il y a eu des nominations. Kagame, il n'a pas été. Il y a eu une conquistion. Il a volé la volonté de la population rwandaise. Non, là, cette population a voté massivement. Imaginez dans un pays où vous vous rendez aux urnes avec un militaire qui vous observe. Imaginez dans un pays où il n'y a jamais eu des isoloirs pour voter. Lorsque vous vous isolez, il y a quelqu'un qui est là pour vous indiquer. Nous suivons la situation de près de l'homme, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. On ne peut pas dire, ne peut pas dire qu'au Rwanda, il y a eu élection. Plutôt, au Rwanda, il y a eu la confirmation de la dictature. Très bien. Kagame. Voilà, c'était là Espoir Mouimouka dit Aspirine dans Gueule Afrique sur Gueule Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis de partout au monde. Vos commentaires sont toujours attendus par rapport à tout ce que nous venons de donner comme lecture de la situation. Commentez, aimez, n'hésitez pas aussi, surtout de partager. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche des notifications parce que là, vous pouvez recevoir en temps réel tout ce que nous faisons comme production. Et ça nous fera toujours du bien de vous compter aussi nombreux, toujours en train de nous suivre.